Bonjour à tous, on commence cette séance de renfort. Troisième, avec une petite séance cuisse, abdos, fessiers. Allez, tu vas commencer très simplement. Tu as simplement besoin d'un tapis, des tapis de bouteille d'eau et d'un mental d'acier. Allez, on commence en se grandissant. Tout en haut, on descend un petit peu sur la jambe droite. Un petit peu sur la jambe gauche. On revient au centre. On déroule un petit peu les épaules. Ok, on va mobiliser légèrement les hanches. Tu vas écarter les orteils vraiment vers l'extérieur. T'as vu, en 15-15, en 10-10 on va dire. Et tu descends en flexion le plus bas possible. Tranquillement, c'est pour mobiliser les hanches. Je descends. Et je remonte. Encore. Normalement, ça va tirer tes adducteurs. Ok, on va rester un petit peu en bas. On y va. Et là, tu vas venir écarter les pieds. Droite et gauche, tu peux mettre les mains sur les cuisses si ça brûle trop. Tu décolles l'intérieur des pieds, tu vois, l'intérieur des pieds. Ok, on remonte, on se détend un petit peu les jambes, on va recommencer une deuxième fois. T'as vu, c'est vraiment ça. Allez, l'intérieur des pieds, ça va tirer les adducteurs. 4, 3, 2, le plus bas possible, boum, 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 boum. Ok, et tu peux remonter. Très bien. Ok, on a bien mobilisé. Maintenant, on va pouvoir commencer. C'est très très simple. On va faire juste un échauffement très cardio. Ça marche. Tu commences par courir avec moi. On y va. On court, on court. Bien guidé. Nickel. Et tu passes sur des petites pointes, on y va. Petites pointes alternées, comme des ciseaux. Hein. Sur les orteils, et bien penché en avant, tu as vu, bien gainé. Et tu cours. 4, 3, et des petites pointes, on y va. 4, 3, 2, et tu cours. Ok. Je vais transformer la course avec des talons fesses. Je transforme la course avec des talons fesses. 4, 3, 2, talons fesses. Allez, bien guidé. 4, 3, et des petites pointes, on y va. 4, 3, 2, talons fesses. Tu peux prendre plus large hein, si tu veux. Ça va bien chauffer des fessiers comme ça. T'as vu, j'ai rallongé. 4, 3, 2, les petits points. Allez, bien guidé. Nickel. Et tu récupères tranquillement. Ok. On va faire un dernier tour. C'est plus des talons fesses, c'est des genoux poitrine. Tu viens d'un bon gainage, hein, et tu serres fort les fesses. 4, 3, 2, on y va. Branche-toi un petit peu sur l'avant. 4, 3, 2, et les pointes, on y va. Allez, plus bas sur les cuisses. 4, 3, et un dernier tour, les genoux. Allez, bien gainé. Hein. On tient bon. 4, 3, 2, tu les pointes.�
et tu récupères. Ok, je te laisse voir un petit peu. Je te laisse voir un petit peu, une petite minute. Et ensuite, on commence le travail des cuisses. Le travail de cuisses, ça va être facile. C'est des mouvements que tu connais. On va enchaîner des squats et des pompes. On va tout faire ensemble. Ça marche? Squat et pompe. Je descends en squat, pente avec la jambe droite. Squat, pente avec la jambe gauche. On part dans 15 secondes. Attention. 4, 3, un squat en deux temps. En deux temps. 4, 3, 2, 1. 2, 1, la pente. 1, 2, 1, le squat. 2, la pente. Le squat. Et on reprend. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas. Et on accélère, on y va. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Allez, respire bien, ça va bien se passer. Tu veux mettre 3 petits rebonds. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Encore. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Il y a 7 rebonds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. Et tu reviens. À la fin, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu cours sur place. Ok, ok. Et c'est moins dur que la dernière fois. Avec les pieds qui se soulevaient. Ça, c'était vraiment horrible. Ok. On écarte les pieds, on reprend pour les squats en deux temps. Tu as le temps. 4, 3, 2, 1, c'est parti. En bas, en haut, en bas, en haut. En bas, le dos bien droit. En bas, on reprend, descend. En bas, on remonte en haut. En bas, remonte en haut. Inspire, essouffle, inspire et accélère. On y va le squat. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Inspire, souffle. Attention, les trois petits rebonds. 3, 2, 1, jambe droite. 3, 2, 1. Le squat. 3, 2, 1. Jambe gauche. 3, 2. Et les 7. Allez, courage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jambe droite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les squats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jambe gauche. 2, 3, 4, 5, 6, et tu récupères. En continuant. Et je crois que ça commence à parler. Hein? Je crois que ça commence à nous parler. Ça commence à chauffer un peu les cuisses normalement si tout va bien. Ok? On se détend. On détend, on fait le chat à la patte dans l'eau. Et on reprend pour un tour. 4, 3, 2, le dernier. Centre. En bas, remonte, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Encore. En bas, je fais le tour. En bas, en haut.
en bas, en haut, en bas, et tu accélères, boum boum, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, tu peux mettre un peu plus sous si tu veux, bas, haut, inspire, sous, et tu le mets 3 petits repos, 3, 2, 1, droite, et c'est le dernier tour, accroche-toi, 3, 2, 1, jambe gauche, et il y en a 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le squat, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la dernière, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et les trottines. Ok, je crois que ça commençait à chauffer, hein. Je crois que c'était pas mal du tout. Ok, on se détend les jambes, on se détend les jambes, on va boire un petit peu, ensuite on passe aux fessiers. Tu as besoin de ton tapis. On accélère en haut, en bas, en haut.
position. Tu restes en haut. On y va. On tient bon, hein. Même si c'est pas très haut. 4, 3, 2, et ça tourne. On change de côté. On y va lentement, monte, en haut, descend, en bas, monte, en haut, descend, en bas, on souffle, on inspire, encore, monte, en haut, et tu accélères, on y va, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, allez, courage, 4, 3, on reste en haut. Allez, courage, c'est 15 secondes. Qu'est-ce qu'on y vient? 4, 3, 2, tu relâches. De la récupération, tu viens étirer ton dos tranquillement. La tête sur les bras, c'est comme tu veux. En haut, en bas, on accélère. En haut, en bas, en haut, en bas. En haut, en bas, en haut, en bas. 4, 3, on reste en haut, on reste en haut. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Change de côté. La main au sol, tu choisis ton option, tu peux être allongé si tu veux. Attention, 4, 3, 2, on y va. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, accélère. Boum. Inspire. Quatre, trois, deux, on reste en haut. Les orteils vers le sol. On rentre bien le ventre. Quatre, trois, deux, et tu relâches. Pour étirer ton dos tranquillement. En mettant de bien te mettre en position.
7, 6, 5, 4, 3, 2, et repliez. Allez, on regarde là. Les coudes sous les épaules. Le premier tour, je ne te donne pas de son à la hausse, mais petit à petit, on va rendre la chose plus difficile. Ne t'inquiète pas. On passe sur le coude droit, si possible sans poser le genou au sol. Allez, on met le buste bien haut là, ici. Hein. Le bassin bien haut, attention à ne pas pencher. Encore 15 secondes. Soit tu mets les deux pieds l'un sur l'autre, soit tu en mets le pied gauche devant. Attention, on change de coude. 4, 3, 2, 1. Encore 15 secondes. Allez, le bassin bien en haut. Si ça devient trop dur, comme tout à l'heure, tu poses le genou, comme pour les fessiers. 4, 3, 2, et on relâche. Ok, premier tour fait. On va augmenter la difficulté, d'accord? Tu te mets sur les coudes. On repart. 4, 3, 2, et on y va. Écarte les pieds et resserre avec. 7, écarte, 7, écarte, 7. C'est pas obligé de prendre les options que je te donne. C'est toi qui décides. Ça va tout le monde autour. Et tu récupères.
dernier tour. Allez, courage, dernier tour. 4, 3, 2, sur les mains. On y va. Je tourne la main droite et le pied gauche. Allez, courage. On rentre bien le long. Serre les abdos et les fesses. 4, 3, change de main. Les deux pieds. Le bassin reste bien face au sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On change. On passe sur la main droite. Ok. Comme tout à l'heure. Très dur. Avec les fessiers. Tu peux passer sur le genou si tu veux. Challenge ton équilibre. Tu viens poser devant et derrière. Quatre, trois, on change de côté. Tu peux toujours rester sur le dessous d'avant. Pas de problème. Ok, moi pour la fin j'ai une petite surprise pour toi, comme je t'avais dit, mais tu peux aller boire un petit peu avant. Allez, récupère un petit peu. Bon, ma petite surprise, elle est cardio. Ma petite surprise, elle est cardio. Voilà ce qu'on va faire. On va faire un tabata. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Ça va jusque-là. Deux exercices. On a le temps de les faire 4 fois chacun. Premier exercice, deuxième exercice, premier exercice, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Et c'est terminé. Ça dure 4 minutes. Et c'est terminé. Maintenant, on va voir les exercices. Le premier, c'est des jump squats. Tu descends pas très bas sur ta flexion, mais tu sautes le plus haut possible. On a assez travaillé les cuisses. Je veux que ça tape le cardio. Regarde bien. Comme ça, ça suffit. Je veux juste que tu sortes de l'écran. Ok. Ensuite, tu enchaînes, après les 10 secondes de pause, sur 10 secondes, 20 secondes, pardon, de mountain climbers. Comme ceci. À ton rythme. Soit comme ça, soit plus rapide. Et sans croiser. Hein. Juste le genou qui remonte vers la poitrine. Ok, on part dans 15 secondes. Et tu t'accroches. Hein. Ça va t'appeler un petit peu le cœur, c'est normal. Mais tu vas donner le meilleur de toi-même, j'en suis sûr. Attention. 4. On tient bon. 4. 3. Premier exercice, les squats. On souffle bien en sautant. Utilise tes bras pour l'élan. Et 3, 2, 1, ça tourne. Attention, on va vite sur son tapis. 3, 2, 1, c'est parti. On y va.
Ça tourne. Allez, 3, 2, 1, on y va. N'hésite pas à avancer si c'est trop dur. On tient bon. 5, 4, 3, 2, 1. On respire. Le premier mouvement, tu peux juste faire des squats hein, si ça devient trop dur. 3, 2, 1. Si c'est trop facile, tu tournes. Allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça tourne. Et on y va. Allez, respire à fond. Tu donnes tout ce que tu as. 5, 3, 2, 1. Ça tourne. Boum, 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 boum. Le dernier tour, les filles. 3, 2, 1. C'est parti. Envole-toi. Allez, respire bien. Souris. Tu es content. 3, 2, 1. Et le dernier passage. 3, 2, courage, courage, on y va. Tu vas te sentir bien après ça. Dix secondes et c'est fini. Trois, deux, un. Et tu peux récupérer. Allez, récupère sur les genoux. Allez, récupère ton souffle. Respire un bon coup. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos. Allez, souffle bien. Laisse ton cœur redescendre un petit peu. Ok, tu vas ramener les deux pieds proches des fessiers. La cheville droite sur le genou gauche. Et on ramène le genou gauche à la poitrine. Normalement, tu connais cet étirement.
au sol. Et on va changer de côté. En soufflant, on attrape le genou droit cette fois-ci. Au sol, on met les pieds à la hauteur des genoux, les mains bien à plat sur le sol, on inspire et en soufflant on va déposer les deux genoux à droite. Au centre. Inspirez. Et soufflez, passez à gauche cette fois-ci. Bascule complètement sur le côté. On passe sur les genoux. Puis sur les orteils. Et on va venir dérouler le dos. La colonne vertébrale bien ronde. Jusqu'au sommet du crâne. Et pour finir, tu vas venir attraper ton pied droit, bien un petit peu ta jambe gauche, et on attrape le pied droit. Les deux genoux sont collés l'un à l'autre, proches l'un de l'autre, dans le même alignement. Et on change de côté. On peut relâcher. Et on termine par un auto-grandissement. Je suis bien ouvert le plafond. Écarte un petit peu les pieds et bascule un petit peu à droite. Et un petit peu à gauche. On revient au centre, on se grandit. Et on relâche tout. J'espère que ça a été. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine. Bye bye.